20 points de pouvoir pour Jean, ça fait plaise. Oh! Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut YouTube, ici Layan. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. J'ai le plaisir de vous annoncer que aujourd'hui, vidéo spéciale pack opening. En effet, je viens à l'instant d'arriver à la barre symbolique des 16K trophées les amis. 16 000 trophées, c'est bon, c'est fait sur mon compte principal. Et quoi de mieux pour célébrer cela qu'un pack opening des familles les amis. Donc on va se faire un petit récap du nombre de boîtes qu'on va ouvrir. On va s'ouvrir pas moins de 4 petites boîtes. Waouh. Avec 8 grosses boîtes. Et on se garde le meilleur pour la fin évidemment. J'aurai 4 méga boîtes à ouvrir les potes. Du coup j'espère que vous êtes chaud. Moi je suis ultra chaud. J'ai vraiment hâte de commencer ce pack opening. Alors juste un petit rappel des brawlers qu'il me manque sur mon compte principal. Il m'en manque 2 les amis. Il me manque Léon et Crow. Et j'espère vraiment qu'on va choper au moins l'un des deux là. Et si on n'a pas de brawler, j'espère vraiment qu'on aura au moins un peu de gadget ou un peu de pouvoir star histoire de se sustenter. Et si on n'a rien, bah écoutez, on aura eu des points de pouvoir. Voilà, en tout cas, si vous êtes aussi chaud que moi, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, les potos. Allez, je crois que tout est dit, c'est parti. On va découvrir un peu ce que renferment ces boîtes. Let's go! Et boum! Du coup, nous y voici, nous sommes sur mon compte principal, les amis. Comme je vous ai dit précédemment, je viens de dépasser la barre des 16 000 trophées. Donc, pack opening spécial des 16K. Je vous montre ça tout de suite. Nous y voici, nous y voilà. Elle est là, elle est belle, elle est magnifique. Maintenant, nous avons accès à la méga boîte des 16 000 TR. Ça fait extrêmement plaisir. Et j'avais pas encore ouvert la grosse boîte des 15 500 trophées. Donc, on va pouvoir se faire plaisir. C'est cool, en plus, je viens de changer de logo. On est dans le... C'est cool, en plus, je viens de changer d'emblème, du coup j'ai une emblème rouge alors qu'avant j'avais la dorée avec des ailes. Les ailes étaient stylées, on les garde toujours, mais maintenant on passe dans le rouge vénère. On fait partie des joueurs les gars à 16K, ça fait trop plaise, trop content. La barre des 15K c'était un cap, mais celle des 16K ça l'est aussi, et j'ai l'impression que ça va être le cas pour chaque 1000 trophées. Franchement, 16 500 voilà, grosse boîte tranquillou, mais 17 000 bim méga boîte, 18 000 bim méga boîte, 19 000 bim méga boîte. J'espère avoir l'occasion de faire des vidéos pack opening à chaque fois qu'on atteint les 1000 trophées les gars. Et sinon je vous ai parlé de mes brawlers manquants, on va voir ça tout de suite. Je vais dans ma section des brawlers, je vais tout en bas juste pour vous montrer, hein, voilà. Il me manque, comme je vous ai dit, 2 brawlers. Il me manque le légendaire Korbach et le légendaire Léon. Des brawlers que je veux vraiment tellement pour les jouer en showdown, surtout en survivant. Leurs mécaniques sont tellement intéressantes je trouve. Korbach avec son poison, son saut qui peut très bien être défensif comme offensif. Léon lui de son côté qui peut envoyer un double de lui pour rendre les ennemis complètement tarés. Il se met fufu, il se met invisible. Qui peut se mettre invisible à part peut-être Emery et son ulti? Du coup vraiment si on arrive à choper l'un des deux là pendant ce pack opening, aïe 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 aïe, vous allez en entendre parler les gars. Allez, priez avec moi, souhaitez-moi bonne chance et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez d'ores et déjà vous débloqué Léon ou Crow. Si c'est le cas les gars, j'espère vraiment vous rattraper à la fin de cette vidéo et vous avez bien de la chance. Et boum, nous voici donc rendus sur la progression de mes quêtes les amis. Et nous y voici, donc je suis allé jusqu'au palier 48 en live avec vous tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Et comme promis, on va commencer par les petites boîtes, les poteaux. Et du coup, on se retrouve à la case 38, au palier 38, où on va trouver notre première petite boîte brawl. C'est parti, la foi est avec moi. Let's go. Alors, pas de brawler normalement dans cette petite boîte, car sinon le brawler aurait déjà apparu. Le chiffre 1 qui clignote pas. Des points pour Surge, que je vais pouvoir améliorer au niveau supérieur, ça, ça fait trop plaisir. Et des points pour mon petit Wally, 15, ça va, c'est pas radin. Mais, oh là là là, les petites boîtes, elles ont vraiment changé, j'ai l'impression. Je me rappelle pas qu'elles étaient aussi radines à l'ancienne, hein. Franchement. Qu'importe. Allez, c'est parti, on passe à la deuxième petite boîte. Allons-y, c'est celle du palier 41, les potos. On y va, c'est parti. Ok, 2 objets restants, 16 pièces, le 1 qui ne clignote pas, des points pour Monsieur M, encore 15 points pour Wally. Wally est ravi, et son propriétaire aussi. On enchaîne, on passe au palier 43 pour trouver notre troisième petite boîte. On y va. Ok, 2 objets restants, le 1 qui ne clignote toujours pas, pas de surprise, des points pour Surge encore, des points cette fois-ci pour Nani. Désolé Wally. Alright, c'est parti. Allez, du coup, c'est notre dernière petite boîte. Va-t-elle nous porter chance? Je l'espère de tout mon cœur. Allons-y. 2 objets restants. Plus de pièces déjà, c'est une bonne nouvelle. 30 pièces, 5 points pour Tara, peut mieux faire. Et...
Et 6 points pour Jean, bah merci. C'est comme si les pièces manquantes s'étaient transformées en... Non, c'est comme si les points de pouvoir s'étaient transformés en plus de pièces. Va savoir. Allez, du coup, on passe aux grosses boîtes. Je reviens en arrière, les amis, dans la progression des quêtes, dans la progression des paliers. Voilà, on en a deux qui brillent. Elles sont en surbrillance. Elles ont qu'une envie, c'est vraiment que je leur clique dessus. Du coup, on va exaucer leurs souhaits. C'est parti, on commence avec la grosse boîte du palier 35. Let's go! Ah, ça fait plaisir déjà de voir une grosse boîte plutôt qu'une petite boîte bleue là. On y va! Ok, 68 pièces, c'est déjà plus généré que les petites boîtes. 20 points de pouvoir pour Jean, ça fait plaise. Oh! 20 points pour Wally, mon Wally est ravi, mais moi je suis vraiment enchanté de voir le 1 qui clignote à la première grosse boîte qu'on s'ouvre, les potes. Aïe 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 aïe! Ok, let's go! Un brawler? Non, me dites pas que c'est un brawler. Attendez. Oh! Non mais j'ai tellement peur à chaque fois, c'est un truc de ouf. On débloque un gadget de Beau, le gadget cordon détonant. Beau déclenche toutes ses mines instantanément, c'est génial! C'est le dernier gadget de Beau qui est sorti il y a juste quelques jours. Let's go! Ok, je suis déjà ravi. Lourd! Énorme, très satisfait de cette grosse boîte. C'est la première grosse boîte, les potos, mais qu'est-ce que le reste nous réserve? C'est parti, on va voir ça tout de suite. On enchaîne avec la deuxième grosse boîte de ce pack opening spécial 16 000 trophées sur mon compte principal. On y va. Deuxième grosse boîte. Ok, 43 pièces, deux objets restants. Le 1 qui clignote pas, pas de surprise du coup. 30 points pour mon petit Mortis des Fafas. Et 40 points pour Emery, génial. Plus je joue Emery, plus je kiffe. Franchement, il est vraiment trop fort ce brawler. Qu'est-ce que vous en pensez vous de Emery? Il est vraiment... Il est cheaté selon vous ou ça va normal? Moi je le trouve un petit peu cheaté. Enfin ses dégâts, franchement c'est abusé hein. Et le fait de pouvoir rendre toute la team invisible, très utile. Allez, on enchaîne, on passe au palier 37, c'est la troisième grosse boîte qu'on s'ouvre, on y va, let's go. Trois objets restants, 48 pièces, le chiffre 3 nous a porté chance juste avant, va-t-il recommencer? Non, pas cette fois. Hein. Ah ok, des points pour Tara, des points pour Gaël, des points pour Surge, très très bien, j'en ai besoin. Les points de pouvoir c'est super important, hein, de toute façon, il n'y a que en ouvrant des boîtes qu'on en gagne, du coup c'est nécessaire. Allez, c'est parti, on passe à la quatrième grosse boîte, les poteaux, c'est celle du palier 39, on y va, let's go. 51 pièces, 3 objets restants, maintenant ça me fait plaisir de voir le chiffre 3, mais on va voir s'il va nous porter chance à nouveau. Encore des points pour Mortis, 9 points pour Monsieur M et 12 points pour Tara, aïe 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 aïe, celle-ci c'est la sécheresse, grosse sécheresse là. Hein. Non mais regardez ça, 51 pièces, ok, mais 8 points, 9 points et 12 points, c'est si pauvre. C'est pas grave, qu'importe, on a déjà récupéré un petit gadget, c'est cool. Je regarde un peu ce qu'il nous reste pour ne pas en manquer une seule. Vous savez quoi, on se débloque l'émoticône en live. Ah, juste pour ce petit bruit là. Allez, c'est parti, on enchaîne. On y va, grosse boîte. Deux objets restants, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors déjà 61 pièces, c'est pas mal. Est-ce que ça veut dire beaucoup de points de pouvoir et beaucoup de points de pouvoir ou... Ouais, ça veut sûrement dire ça. 30 points de pouvoir évidemment pour mon Mortis et 32 pour Tara, c'est cool ça. Nickel. Il nous reste combien de grosses boîtes? Il nous en reste 1, 2 et 3, celle de la progression des trophées. C'est parti, celle du palier 44, on y va. C'est parti. 3 objets restants, 55 pièces. 9 points de pouvoir pour Jean. 12 points pour Emery, ça me fait kiffer ça. Et 20 points pour Mortis, wow, il est gâté mon Mortis, hein. C'est cool, hein. Nice. Mortis c'est un peu pareil, au fur et à mesure que je le joue, je le kiffe de plus en plus. Je commence à de plus en plus cerner les mécaniques, mais il me faut encore beaucoup d'entraînement, vraiment. Est-ce que vous êtes bon avec Mortis, vous? On se chope une nouvelle émoticône. Je cherchais le nom pendant le live tout à l'heure, je sais pas comment appeler ça, un emoji, un smiley, non c'est une émoticône, d'accord, elle est cool celle-là. On a 200 points de pouvoir à se distribuer à un brawler, mais ça on fera ça plus tard. On va se focus sur le pack opening. C'est parti pour l'avant-dernière grosse boîte qu'on a à s'ouvrir les potes. On y va avec le coude. Ok, 3 objets restants, 57 pièces. 8 points pour Mortis. Ok, 8 points pour Emery, je prends. Et qui c'est qui est gâté? C'est mon Jean avec 20 points de pouvoir. Ok, ça marche. Petite pause, je respire un peu. Je ne fais qu'un avec moi-même, je suis dans le moment présent, on y va. Ah non, je l'ai déjà ouverte celle-ci. Ah ouais, bah du coup on passe directement à la dernière grosse boîte qu'on a à ouvrir dans ce pack opening les amis. C'est parti, c'est celle des 15 500 trophées, elle est symbolique, on y va. Elle est récupérée, je ne peux plus revenir en arrière, c'est parti. Ok, 58 pièces, deux objets restants, fais-moi plaisir.
le chiffon qui ne clignote pas, c'est pas grave. 9 points pour Wally seulement. J'espère que mon deuxième brawler là va être bien gâté avec au moins 20 points. Ouh, 39 points et pas pour n'importe qui, pour mon petit Emery. Let's go. Ok, pas mal, ça me va très bien. Ouh, et le moment fatidique est arrivé, le moment que vous attendiez tous et que j'attendais vraiment moi aussi avec impatience les poteaux. On va commencer à s'ouvrir les méga boîtes. Pour ce faire, je suis donc retourné dans la progression des trophées les amis. Et du coup on va commencer avec la méga boîte du palier 40 et terminer avec la méga boîte vraiment symbolique des 16 000 trophées. Allez c'est parti, on y va, première méga boîte. La prière du ninja, on y va. Ok, 5 objets restants pour la première. Est-ce que vous avez déjà eu un objet qui brillait lorsqu'il y avait le chiffre 5, vous? Moi, je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Hein. Je sais que chez Senor, on avait eu le chiffre 4 et on a débloqué Emery avec le chiffre 4. C'était totalement dingue. Mais avec le chiffre 5, ça me dit rien. Attendez, on va vérifier ça. Des pièces, des points pour Monsieur M. Des points pour mon Wally, évidemment. Des points pour Gaël, très bien. Non, effectivement, pas de surprise, le chiffre 1 qui ne clignote pas. Alors qu'on a eu 5 objets restants, ma théorie pour l'instant reste valide. Yes, 45 points pour Emery qu'on va pouvoir améliorer. Alors ça c'est lourd. J'ai un sourire pas possible à chaque fois que je vois Emery. En fait je suis tellement content de l'avoir débloqué. Enfin les gars, je voulais vraiment Emery, Léon et Crow. Il m'en manque que 2 maintenant, donc on avance bien. Peut-être aujourd'hui un Léon ou un petit Crow là. Allez on y va, deuxième méga boîte. Il nous en reste 3 du coup, allons-y. Palier 45. Let's go! Ouh, aïe aïe, chiffre 5, c'est pas passé loin j'ai l'impression, hein, vraiment. Des pièces, 10 points de pouvoir pour Nani. Nani que je kiffe de plus en plus, hein, franchement. Wally, un brawler très très puissant selon moi, yes. Des points de pouvoir pour moi, Emery, évidemment. Youpi, 40 points pour Tara, ça fait toujours plaisir aussi. Et 62 points pour Monsieur M. Ouh, c'était une méga boîte riche en points de pouvoir, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on arrive déjà à l'avant-dernière boîte de Spack Opening. Ça va trop vite, les potes, ça va trop vite. Oh là là là, j'aimerais avoir genre 20 méga boîtes à ouvrir. Mais bon, ce n'est pas le cas, j'ai économisé autant que je pouvais au niveau des paliers et tout, au fur et à mesure de ma progression. Et tout ça pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Allez, c'est parti, avant-dernière méga boîte de ce pack opening des 16 000 trophées, les potes. On y va. C'est celle du palier 48 du coup. Let's go! Oh là là, encore le chiffre 5, ça fait 3 fois d'affilée. J'espère vraiment que la quatrième va nous porter chance. 210 pièces, 8 points de pouvoir pour Nani, 21 pour Wally. Toujours pour mon petit Emery, let's go, 24 points de pouvoir. Le chiffre 1 qui ne clignote pas, pas de surprise. 36 points de pouvoir pour Tara. Et waouh, 50 points de pouvoir pour Jean, c'est plutôt cool. Au moins mes brawlers avancent bien quoi. Et nous y voici les gars, le moment ultime de cette vidéo. Je me sens stressé, je me sens heureux, je me sens anxieux, mais je me sens joyeux à la fois. Je sais pas comment vous expliquer mon état. Je crois que je suis plein d'espoir, plein d'attente, plein d'espérance, mais à la fois plein de peur. C'est parti, c'est le moment de s'ouvrir cette dernière méga boîte de ce pack opening les amis. C'est pas n'importe laquelle, c'est celle des 16 000 trophées. Mon compte principal est rendu à 16 000, 6 trophées exactement à l'heure où je rec. C'est parti, on se récupère la méga boîte des 16 000 trophées. C'est fait, elle est enclenchée. Let's go, on y va. Avec quoi je l'ouvre? Avec le nez, avec le coude, avec ma paume. Tellement de techniques sont différentes. La technique des ninjas. Si vous aviez un mot à dire, comment est-ce que vous auriez aimé que je l'ouvre? Le nez, le coude, la paume, un coup de poing peut-être? Technique ninja. Écoutez, on va y aller avec la paume. J'avais pas réussi chez Senor, mais là je suis chez moi. On y va. Ça marche? Aïe 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 aïe, 4 chiffres 5 d'affilée, mais non, c'est pas possible. Oh là là, j'avais tellement d'espoir. J'avais tellement d'espoir, celle des 16 000. Allez, mon mortis qu'on va pouvoir améliorer, des points de pouvoir pour Gaël, des points de pouvoir pour Jean encore et toujours. Le chiffre 1 qui ne clignote pas, il a clignoté tout à l'heure et c'était dans une grosse boîte. Monsieur M que je peux améliorer, 59 points pour Tara, wow, elle est gâtée elle aussi. Bonus restant, est-ce que ce serait un petit doubleur de jetons? Oh, un doubleur de jetons, incroyable. Non, je déconne. Ok, donc c'était ça la dernière méga boîte des 16 000 les amis. Pack opening terminé du coup.
Et boum, nous revoilà. Du coup, petit résumé de ce pack opening spécial, 16 000 trophées. On a débloqué plein de points de pouvoir pour mes brawlers qui sont pas encore niveau max, c'est-à-dire pouvoir 10. L'objet le plus intéressant qu'on a réussi à choper, c'est le nouveau gadget de Beau, c'est-à-dire le cordon détonant où je vais pouvoir déclencher mes mines, bim, quand je le veux. J'ai trop hâte de l'essayer et à mon avis, on va se faire une petite vidéo sur ça. Voilà, du coup, on n'aura pas réussi à débloquer ni Léon ni Crow, ce sera pour une prochaine fois. Je suis quand même très très content d'avoir réussi à atteindre les 16 000 trophées. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, vidéo spéciale pack opening des 16 000 trophées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne les potos. C'était Layan et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live sur la chaîne. Je vous fais des bisous, ciao ciao.